Regardons la conscience endurcie. Let us look at the strong conscience. Le cœur. The heart. Pour la conscience endurcie. Or the conscience that has become strong. C'est le partage de ceux qui se justifient au lieu de se repentir. It is the share of those that justify themselves instead of repenting themselves. Quand quelqu'un au lieu de se repentir se justifie. When somebody instead of repenting himself justifies himself. Sa conscience devient endurcie. His conscience becomes strong. Je vais vous dire comment il faut remarquer telle personne. I'm going to tell you how you have to notice such persons. Quand tu es près de telle personne. When you are beside such persons. Au fond de toi, tu es un homme spirituel. Inside of you, you're a spiritual man. Tu es comme irrité. You are just like irritated. Tu es irrité. You are just like angered. Tu es vraiment pas respecté. You don't want to stay here. Sa parole même t'énerve. Even the person's word angers you. Pourquoi? Why? Parce qu'il se justifie au lieu de se repentir. Because he justifies himself instead of repenting himself. Ces personnes sont détestables. Such persons are hated. Lorsque tu es en contact avec ceux, when you are in contact with them, tu es parfois même choqué, même blessé, rien que par leur présence. Even wounded just by their presence. Ceux qui sont spirituels. For those that are spiritual. Quand leurs fautes sont désignées. When your wrong is just. Leur réaction négative est désignée. Their negative actions is released. Première réaction. First reaction. La justification. Justification. Ou l'opposition. Or opposition. Et c'est dangereux. And it is dangerous. C'est ceux dont leur conscience est corrompue qui agissent ainsi. These are those whose conscience are corrupted that act like that. Sa faute. When they show il se justifie. His wrong. Ou il devient ton ennemi. He justifies himself or he becomes your enemy. Ce qui est contraire chez un homme brisé. That is what is contrary in a broken man. Chez un homme brisé. For a broken man. Chez une femme spirituelle brisée. For a spiritual woman. Chez une femme brisée. For a broken woman. Lorsque la faute est désignée. When the wrong thing is released. Première réaction c'est quoi? The first reaction is what? La repentance. Repentance. La vraie repentance. Truth repentance. Il appelle le péché par son nom. She calls the sin by name. Et elle confesse les mots, les motifs. And she confesses the motives. C'est ça la vraie repentance. That's the real repentance. J'ai vu ton argent, j'ai volé, pardonne-moi. I saw your money and I stole it, forgive me. Non, j'ai vu ton argent. No, I saw your money. Je l'ai volé. I stole. Parce que je voulais que ton mari pense que c'est toi qui es volé. Because I wanted your en ceci, je t'ai demandé pardon. And because of that, I'm asking for. Et là, ta conscience pourrait être réparée. And par la vraie repentance. Conscience will be repaired through repentance. Il est bon de confesser les motifs. It's important to confess the motives. Ceux qui corrompent leur conscience confessent simplement le péché. Don't that corrupt their conscience, just confess the sin. Maman, j'ai fait ce qui est mauvais. Si moi, ton père, pasteur. I fell, pasteur. Dieu lui-même sait que nous sommes péchés. Even God knows that we are sinners. Mais c'est qui n'a pas encore péché? Who have not yet sinned? Bonjour. Good morning. Tu es en train d'empoisonner ta conscience. You are poisoning your conscience. La conscience et la connaissance. The conscience and knowledge. Le contenu de la conscience dépend de la connaissance. The knowledge depends on your conscience. Je dis bien la connaissance de la parole de Dieu. On the knowledge of the word of God. La connaissance de la vérité. Je vais décortiquer ça plus bas. The knowing of the truth. I'm going to stay better on that. Quand ta connaissance est peut-être erronée. When your conscience is not truth right, tu pourrais avoir une bonne conscience bien étant dans l'erreur. You may have a good conscience though you are in the wrong path. Quand nous regardons l'exemple de Paul dans Actes 23 verset 1. When you look at the il a persécuté les chrétiens dans une bonne conscience, avec une bonne conscience. You're going to see that Paul has persécuté Christians with a good conscience. Il tuait les chrétiens avec une bonne conscience. Lui croyait que c'était bon. C'est ce qu'on lui avait enseigné. He was killing Christians with a good conscience. He thought that it was good. That's what they thought to him. Regardez peut-être dans une famille. Let us look maybe in a family. Ou dans une tribu. Or in a tribe. On dit que pour qu'une fille se marie, il faut d'abord qu'elle essaie pour voir si elle est féconde. But they said that for a girl to get married, she first needs to try to see whether she is able to give birth or not. Dans de telles familles. In such families. Une fille ne pourrait jamais être troublée par sa conscience parce qu'elle allait coucher avec un homme avant le mariage. A girl will never be troubled by her conscience because she has done love with a man before marriage. Mais non. But when croit en Jésus, she believes in Jesus, la connaissance de la vérité qui dit stop, tu ne devrais pas le faire. And has the knowledge of the truth that says stop, you don't have to do that. À partir de ce moment, as from that moment, sa conscience peut le troubler. Her conscience can trouble her. Parce que la conscience se base sur la connaissance qu'elle a. Because the conscience bases itself on the knowledge she's having. Amen. 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 Ça commence à venir, non? It's starting to come, not so. Emmanuel.
L'éternel Dieu avec nous. Emmanuel. Il s'appelle Shiloh. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il a vaincu le péché. A vaincu